Alors là on a un certain nombre de triangles, en fait ici il y, en a, il y a 24 triangles. Alors on va déjà commencer par se demander ce qui se passe si on veut les diviser en trois groupes de même taille. Alors je vais commencer par faire un premier groupe, donc voilà par exemple je peux faire ce groupe-là. Voilà, ça c'est un premier groupe. Là j'ai un deuxième groupe ici. Et là j'ai un troisième groupe. Alors ça en fait ça revient à faire la division de 24 en trois groupes, hein. donc ça s'écrit comme ça, 24 divisé par 3. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est combien est-ce que chaque groupe va contenir de triangles Alors, ben, ça, on peut très bien les compter, hein, tout simplement. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, dans chaque groupe, il y a 8 triangles. Donc, ça veut dire que 24 divisé par 3, et en fait, eh bien, ça fait 8 alors là en voyant ça tu t'es peut-être dit mais finalement ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait avec la multiplication parce que quand on a fait une multiplication en fait on a vu que euh, quand on avait trois groupes qui comprenaient chacun huit triangles eh bien on avait dit qu'en fait ça faisait ça revenait à écrire 3 fois 8. trois fois huit et ça ça fait vingt-quatre alors en fait, on pourrait très bien interpréter ça en se disant, bon, je vais diviser mes 24 triangles en groupes de 3. Et le problème, ça va être de regarder combien de groupes de 3 je vais obtenir. Alors je vais faire des groupes de 3. Donc j'ai un premier groupe de 3 ici. Voilà, c'est un groupe de 3 triangles. Je vais en faire un deuxième ici. Là j'ai un deuxième groupe, un troisième groupe ici. Je fais des groupes de 3 triangles et on va les compter. On va compter combien de groupes de 3 triangles on a. J'en ai un autre encore ici. Voilà. Et puis, celui-ci. Et puis là, il y a encore celui-là. Et puis celui-là. Voilà. Et donc là, j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 groupes de 3 triangles. Donc finalement, on peut très bien interpréter ça aussi comme ça, en disant que si je veux diviser 24 en groupes de 3 éléments, et eh bien j'obtiens 8 groupes de 3 éléments. Alors ça, finalement, je peux l'écrire aussi comme ça. Ici, j'ai 8 groupes. 2, trois éléments. Donc finalement, j'ai 8 fois 3. Et 8 fois 3, ça fait 24, puisque finalement, j'ai tous mes triangles. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est essayer de voir ce qui se passe si je, je fais cette division-là. 24 divisé par 12. 24 divisé par 12. Alors essaye de le faire de ton côté, mets la vidéo sur pause, et puis après, on verra ça ensemble. Alors je vais commencer par faire des groupes de, de, de 12 triangles. Donc je compte 12 triangles. Donc ici j'en ai, dans cette ligne il y en a 4, plus 4, plus 4. Donc dans ce groupe là, voilà, si je prends ce groupe-ci, je vais avoir 12 triangles. Voilà. Alors dans l'autre, dans la partie du bas, ben, j'ai la même chose en fait. Hein. J'ai 4, plus 4, plus 4. Ça fait 12 aussi. Donc là j'ai un deuxième groupe de 12 triangles. Donc ça ça veut dire que quand je divise 24 en groupe de 12 de 12 triangles et eh bien j'obtiens deux groupes alors là je vais écrire ça comme ça 24 divisé par 12 ça fait 2 voilà donc la deuxième façon de voir c'est de faire 12 groupes de même taille hein, 12 groupes de même taille donc là ce que je vais faire c'est essayer de diviser ces 24 triangles en 12 groupes alors je vais faire un premier groupe ici voilà là j'ai un deuxième groupe là j'ai un troisième groupe je fais des groupes de 2 Là, j'ai un autre groupe encore. On va voir si ça marche. Là, j'ai un autre groupe. Un autre groupe ici. Un autre groupe là. Un autre groupe là. Encore un. Et puis enfin, un dernier groupe. Donc voilà. Là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai divisé mes 24 triangles en 12 groupes de même taille. Et chacun de ces groupes contient 2 triangles. Alors, on va continuer avec quelque chose d'encore plus intéressant. Donc, je vais effacer ça. Voilà. On va essayer de diviser ces 24 par 6. J'aimerais déjà que tu me dises combien ça fait 24 divisé par 6. Et puis aussi, que tu arrives à faire cette division-là, 24 divisé par 4. 24 divisé par 4. Voilà. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de ton côté et puis on, on le fera ensemble. Alors bon, on va commencer par ça. 24 divisé par 6. Alors ça, tu peux voir ça comme tout à l'heure de deux manières. Soit tu peux te dire, je vais diviser mes 24 en 6 groupes de même taille. Alors ça, ben, on va le faire. Hein, 6 groupes de même taille. Alors je vais prendre ce premier groupe-là. Ou alors je peux prendre celui-là aussi. Ça, j'ai un deuxième groupe de la même taille que le premier. Un troisième groupe encore de la même taille, un quatrième groupe encore de la même taille, un cinquième groupe et un sixième groupe. Donc là, j'ai bien divisé mes 24 triangles en 6 groupes de même taille. Effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai bien 6 groupes de même taille. Et la question, c'est combien de triangles il y a dans chaque groupe. Alors il y en a 1, 2, 3, 4. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que 24 divisé par 6, ça fait 4. Voilà. Alors, ça, c'est une première manière de, de voir cette division-là. On peut la voir aussi différemment, selon le principe qu'on a vu tout à l'heure. Hein. En fait, on peut aussi se dire je vais diviser mes 24 triangles en euh, groupes de 6 triangles. Donc là, j'ai un premier groupe. Voilà, ça, c'est un premier groupe de 6 triangles. Tu peux compter il y en a 6. Là, j'ai un deuxième groupe de 6 triangles. Voilà. Et là, j'ai un troisième groupe de 6 triangles. Voilà, et puis enfin un dernier, qui est le quatrième groupe de 6 triangles. Et donc là, on obtient en fait 4 groupes de 6 triangles. Donc là aussi, on peut se dire que 24 divisé par 6, eh bien ça fait 4. Alors maintenant on va s'attaquer à celui-là, 24 divisé par 4. Alors, exactement de la même manière, hein, je peux interpréter cette division de deux manières, soit en me disant que je vais faire des groupes de quatre triangles, je vais le faire ici. Je prends un premier groupe de 4 triangles. Là, j'ai un deuxième groupe de 4 triangles. Là, j'en ai un autre. Là, j'en ai un autre. Là, j'en ai un autre. Et là, j'en ai un autre. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 groupes de 4 triangles. Donc je peux dire que 24 divisé par 4, ça fait 6. Voilà. Alors. Une autre façon de faire, c'est de se dire que je vais diviser mes 24 triangles en quatre groupes de même taille. Quatre groupes de même taille, en fait je l'ai fait tout à l'heure. Hein. J'ai un premier groupe ici. Voilà, un groupe. Un premier groupe. Là j'ai un deuxième groupe ici qui est de même taille hein, que le premier. Là, j'ai un troisième groupe qui est encore la même taille que les deux premiers. Et puis un dernier qui a la même taille que les deux premiers. Alors là, du coup. J'ai bien divisé mes 24 triangles en 4 groupes de même taille et je vais compter combien j'ai de, de triangles dans chaque groupe. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans chaque groupe il y a 6 triangles. Donc comme tout à l'heure ça revient à dire que 24 divisé par 4 ça fait 6. Alors maintenant si on veut interpréter ça en termes de multiplication, ben en fait ça veut dire quoi Ça veut dire que si je prends 4 groupes de 6, 4 groupes de 6 ça s'écrit comme ça, c'est 4 fois 6. 4 fois 6, et eh bien ça, ça fait 24. Et là, ben en fait, ça revient à dire que si je prends 6 groupes de 4, et eh bien j'obtiens 24 triangles. Donc ça, ça veut dire que 6 groupes de 4, donc 6 fois 4, ça fait 24.